Bon, c'est vrai que cette information n'a pas été confirmée jusqu'à hier matin par le gouvernement. Il y a eu comme une sorte de flottement ces derniers jours. On avait d'un côté l'entourage de l'ancien président qui assurait que, oui, François Bozizé était bien à Bangui, qu'il ne s'agissait pas d'une rumeur, et de l'autre, les autorités qui ne confirmaient pas l'information. Il y a eu enfin ce communiqué hier du ministre de la Communication, Hans de Marie Ngoup. Bonjour. Bonjour, Juan. Vous êtes chercheur spécialiste de la Centrafrique pour l'International Crisis Group. Comment expliquer, on va dire, ce cafouillage ou en tout cas ces doutes autour du retour de François Bozizé? En fait, cela découle simplement du fait que le retour de l'ex-président Bozizé a pris le cours les autorités centrafricaines, voire même les a interloqués. On est sans ignorer que les autorités centrafricaines ont tout mis en œuvre pour empêcher ce retour-là, un mandat d'arrêt international et même un arrêté pour que les compagnies aériennes ne puissent pas transporter le président Bozizé vers son pays d'origine. Il se trouve que il semblerait en tout cas qu'il soit rentré plutôt par des voies terrestres. Oui. Et comme en Centrafrique, les trois quarts du territoire ne sont pas sous le contrôle ferme du pouvoir, cela laisse mille et une possibilités de supputation. Oui. En tout cas, on a comme l'impression que François Bozizé met les autorités centrafricaines devant le fait accompli. En Tout à fait. arrivant, en retournant dans son pays sans prévenir les autorités et sans passer par la voie aérienne. Tout à fait. Il semblerait qu'il y ait eu des démarches de la part du parti de Bozizé, le KNK, pour avoir une espèce de retour, on va le dire, en bonne et due forme, et que cela n'a pas été possible, et donc il a choisi de jouer son va-tout. Et là, les autorités centrafricaines sont placées face à un dilemme. Soit exécuter le mandat d'arrêt international qu'elles-mêmes ont émis, ou alors, au risque que cela crée des remous, tant dans la capitale où l'ex-président dispose encore de quelques partisans, ou même dans sa région d'origine. Alors justement, c'est la question que tout le monde se pose, Hans de Marie Ngoup. Quel avenir judiciaire pour François Bozizé? Vous le disiez, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé par la justice centrafricaine pour crime contre l'humanité et incitation au génocide. Sera-t-il interpellé? C'est là toute la question, parce que ce n'est pas qu'une question judiciaire, mais une question aussi éminemment politique. Comme j'étais le disant, le président Bozizé a encore des partisans au sein de la population de Bangui, mais aussi dans la préfecture de Louam, qui est sa préfecture d'origine. Et ça, c'est le plus important, parmi les forces armées centrafricaines et au sein du mouvement anti-Balaka. Il a recruté de très nombreux militaires et fait promu nombre d'entre eux qui sont aujourd'hui colonels et généraux. Donc la question, c'est faut-il exécuter ce mandat d'arrêt international ou même les sanctions onusiennes qui pèsent aussi contre lui pour des besoins d'une cité de justice Oui. ou alors articuler le raisonnement vers les besoins de paix sociale, de cohésion sociale et donc passer outre ce mandat d'arrêt international pour lui permettre de s'installer dans le pays. J'ai sous les yeux le communiqué du gouvernement, communiqué signé par le ministre de la Communication et des Médias. Il est stipulé, le gouvernement garde à cœur de tout mettre en œuvre pour que l'élan de paix soit consolidé et que la réconciliation nationale demeure une réalité dynamique. Donc pour qu'il y ait paix et réconciliation nationale, il faudra éviter d'interpeller François Bozizé, il faudra lui éviter un procès. Tout à fait, et deux acteurs sont compétents sur la matière. D'une part, le gouvernement qui a émis ce mandat d'arrêt, mais aussi le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a formulé les différentes sanctions contre le président Bozizé. Il faudrait donc que les partenaires internationaux et le gouvernement trouvent là une forme de côte mal taillée pour permettre que ils puissent rester sur le territoire centrafricain de manière à éviter de nouveaux remous sociaux, alors une nouvelle crise sécuritaire qui pourrait naître d'une éventuelle arrestation de ce dernier.